Je suis Samadogo Yassia, étudiant en sciences exactes et appliquées à l'Université Joseph-Kizerbo de Ouagadougou. Intégrons K, intégrale de x sur x carré plus x plus 1 de tout au carré d de x. Donc, on va, l'autre là, décomposer x, décomposons x. Donc, x égale à 1 demi de 2x plus 1. 1 demi de 2x plus 1 moins 1 demi. On a x maintenant dans k. Donc, on a k égale à l'intégrale de 1 demi de x carré plus x plus 1 de tout au carré 2x plus 1 moins maintenant 1 demi de x carré plus x plus 1 de tout au carré d de x. L'expression est de la forme U prime sur U à la puissance n. Donc, on connaît déjà la primitive de cette partie. Donc, on va continuer avec cette expression. Donc, posons que A égale. Posons que A égale à moins 1 demi de intégrale de 1 sur x carré plus x plus 1 de tout au carré d de x. Et posons maintenant que B égale à cette expression. Donc, intégrale de 1 demi de 2x plus 1 sur x carré plus x plus 1 de tout au carré d de x. On connaît la primitive de cette expression. Donc, u prime sur u, donc égale à moins 1 sur x carré plus x plus 1. Maintenant, on va chercher maintenant la primitive de a. La primitive de a. A égale à moins 1 demi d'intégrale de x carré plus x plus 1 de tout au carré de x. Cette expression, on sait que 1 sur x carré plus x plus 1 de tout au carré égale à 1 sur x carré plus x plus 1 moins maintenant moins x carré plus x sur x carré plus x plus 1 de tout au carré. Maintenant, a égale à moins 1 demi. On a moins 1 demi en facteur. Donc, a égale à moins 1 demi intégrale de 1 sur x carré plus x plus 1. Il y a un moins ici. Donc, on a un moins ici. Donc, ici, ça devient carré plus x sur x carré plus x plus 1 d de x. Parenthèse ici. X carré plus x plus 1 de tout au carré d de x. D de x. D de x. A égale à c plus d. À c plus d. Avec c, c'est égal à moins 1 demi d'intégrale de 1 sur x carré plus x plus 1 d de x et d égale à 1 demi d'intégrale de x carré plus x de x carré plus x sur x carré plus x plus 1 de tout au carré d de x. Maintenant, on va intégrer c et d. Donc, on va chercher la primitive de c. Donc, c égale à moins 1 demi intégrale de 1 sur x carré plus x plus 1
2 de x. Cherchons maintenant la primitive de c. On va maintenant la... On va chercher maintenant la forme canonique du dénominateur, c'est-à-dire x carré plus x plus 1. Or, la forme canonique de x carré plus x plus 1 égale x carré plus x plus 1 égale... Donc, la forme canonique de x carré plus x plus 1 égale à x plus 1 demi de 2 au carré plus racine de 3 sur 2 de 2 au carré. Donc, on va remplacer maintenant l'autre là, cette expression par ça. Donc, c devient c égale à moins 1 demi de l'intégrale de 1 sur x plus 1, x plus 1 demi de 2 au carré plus racine de 3 sur 2 de 2 au carré de x. Or, cette expression là a pour primitive arc. Bon, c'est un exemple. 1 sur x carré plus moins 1 demi de 2 racine de 3 arc tangente de x plus 1 demi fois 2 racine de 3 fois 2 racine de 3. Donc on a ce qui donne cette expression. D égale à 1 demi intégrale de x carré plus x sur de d. On va décomposer d'abord x carré plus x. X carré plus x égale à 1 demi plus x égale à 1 demi facteur de x facteur de 2x plus 1 plus x. On a décomposé x carré plus x. Donc, on va remplacer maintenant x carré plus x dans d. Donc, on a d égale à 1 quart de x facteur de 2x plus 1 intégrale, hein, intégrale sur x carré plus x plus 1 de tout au carré plus maintenant x sur x carré plus x plus 1 de tout au carré d de x. Maintenant, on aura d égale à 1 quart, d égale à e plus 1 quart de k, k x sur x carré plus x plus 1 de tout au carré d de x égale à notre k ici. Donc on peut remplacer ça par k, cette expression par k. Donc on aura 1 quart de k. Donc maintenant, il reste maintenant à intégrer, il reste maintenant à chercher maintenant la primitive de e. E qui est égal à 1 quart intégrale de x facteur de 2x plus 1 sur x carré plus x plus 1 de tout au carré de x. On va chercher l'intégration par partie et en posant que v égale à x et u' égale à 2x plus 1 sur x carré plus x plus 1 de tout au carré. Donc, ce qui implique que v' égale à 1, ce qui implique u égale plus x plus 1. Donc, en posant que v égale à ça, et u' égale à ça, on aura. Donc, en faisant maintenant l'intégration par partie, on aura que e égale à 1 quart de moins x sur x carré plus x plus 1. Crochet maintenant, 1 quart maintenant de 1 sur x carré plus x plus 1 d de x. Or, l'autre, la primitive de cette expression égale à 1 quart de 2 sur racine de 3 arc tangente de x plus 1 demi fois 2 sur racine de l'autre là, et sur racine de 3. Sur racine de 3. B et A dans K, on aura en remplaçant AB plus A. Donc, ce qui est égal encore B plus C plus E plus 1 quart de K. Puisque A égale à E. A égale à C plus E plus 1 quart de K. Maintenant, on va envoyer 1 quart ici. Moins 1 quart ici. Donc, on aura K moins 1 quart. Donc, on aura que K égale à 4 tiers de B plus C plus E. En remplaçant B et C et E dans K, on aura maintenant... Là, en remplaçant B et C dans E maintenant, on aura K égale à cette expression, on va encadrer le résultat final
Puis sur la constante C. C'est une constante C. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. À la prochaine.